ne fais pas rentrer quelqu'un dans ta vie qu'après tu vas regretter. Parce que souvent, le comportement que cette personne aura dans le futur vis-à-vis de toi sera juste la suite logique de son passé. Donc c'est très important pour toi que tu connaisses le passé de ton ou de ta partenaire. À toutes, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Nati pour ceux qui ne me connaissent pas et bienvenue au nouveau. Surtout, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et si c'est pas le cas, vous inquiétez surtout pas, ça finira par aller, d'accord. Aujourd'hui, je vais parler du couple, du moins des personnes qui se mettent rapidement en couple sans prendre le temps de s'étudier, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître les qualités, les défauts de l'autre et bim, non, se mettent directement en couple. Parce que soit la fille est belle, elle a un beau fessier, le gars est beau, il a les abdos, il est bien formé, il fait 2 mètres de long, il fait 3 mètres de large. Bref, toute cette apparence physique qui, derrière ça, noie le côté sombre que peut cacher la personne. Il faut savoir qu'on ne se met pas en couple pour les gens. On ne se met pas en couple par rapport à ce que les gens vont dire. Oh, mon mec est beau, vous allez voir, les gens vont l'apprécier et tout. Non. On ne se met pas en couple non plus parce que la fille est belle, parce qu'elle est bonne, comme certains diraient. Elle est bonne, elle est belle, elle est ceci, elle est cela. Mais on se met en couple avec une personne qui nous correspond spirituellement, physiquement, etc. C'est très important que vous appreniez à étudier les personnes que vous faites entrer dans vos vies. Que ça soit amicalement ou amoureusement. Là, on parle amoureusement, mais même amicalement, il faut prendre la peine de connaître les personnes que vous faites rentrer dans vos vies. C'est très, très important. Quand je parle de s'étudier, c'est un tout. Même côté famille, c'est très important de connaître d'où sort la personne que tu vas faire rentrer dans ta vie. Très important. Ne fais pas rentrer quelqu'un dans ta vie qu'après tu vas regretter. Parce que souvent, le comportement que cette personne aura dans le futur vis-à-vis de toi sera juste la suite logique de son passé. Donc c'est très important pour toi que tu connaisses le passé de ton ou de ta partenaire. Ensuite, je sais que nous les femmes, nous aimons beaucoup parler. Quand nous sommes amoureuses, on raconte nos vies, on raconte tout, 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 tout. Oui, il faut raconter sa vie, il faut en dire un peu sur nous, mais il y a des fois des choses qu'il faut garder pour soi. Parce que si, malheureusement, cette personne que tu étudies et que tu penses être la bonne personne est en fait pas bonne, il va s'avérer que cette personne prendra ce qu'il connaîtra de toi ou ce qu'elle connaîtra de toi pour en faire ta bombe. Ta bombe. C'est-à-dire qu'il pourra se passer des moments où ce que tu auras dit à ton ou à ta partenaire, celui-là ou celle-là te le recrachera au visage. Et ça, je pense que ça ne te fera pas plaisir. Du moins, c'est ce que je pense, que ça ne te fera pas plaisir. Alors, quand tu vas étudier ton partenaire, n'en dis pas trop, trop, trop non plus. Il faut dire l'essentiel, mais ne commence pas à étaler trop, trop, trop ta vie. Et ensuite, dans la relation, quand elle a déjà commencé, il faut des fois suivre son sixième sens. Surtout nous les femmes, nous avons un sixième sens. Quand tu commences déjà à avoir des soupçons, ce n'est souvent pas pour rien. Suivons notre sixième sens. Là, c'est spécialement pour les femmes cette partie. Suivons notre sixième sens, parce qu'il s'avère souvent être ce qu'on pensait. Donc, c'est vrai que des fois, le sixième sens, quand tu es dans le love story, tu as tendance à simplifier. Or, peut-être que je me fais des films. Oui, peut-être que tu fais des films, mais peut-être pas. Alors, suivons notre sixième sens. Et même vous, les hommes, si vous commencez à avoir des doutes, un doute n'est jamais un doute. Quand il y a un doute, c'est qu'il y a une chose qui a laissé voir qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas de doute pour rien. Et pour terminer, je dirais, apprends à aimer ta propre compagnie.
on n'est jamais plus aimé que par nous-mêmes. Personne ne t'aimera autant que toi-même tu peux t'aimer. Ça, sache-le. Personne ne peut te donner l'amour que toi-même tu peux te donner. Et pour ça, ça peut commencer par exemple, partir se faire des restos, se faire des hammams, des petits voyages. C'est vrai que c'est pas toujours évident de voyager seul ou d'aller au restaurant seul, mais apprenons à aimer notre propre compagnie. C'est très important. C'est ça qui va nous éviter d'entrer dans des relations de si je savais demain. D'accord. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, c'est un réel plaisir, comme d'habitude, de partager mon opinion sur le sujet avec vous. Si c'est le cas et que vous avez aimé la vidéo, faites-le moi savoir en commentaire. Surtout, n'oubliez pas, lâchez-moi un pouce bleu, partagez mes vidéos au maximum, sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas rater quand je poste une vidéo pour vous faire plaisir, bien entendu. Et quant à nous, on se dit à très, très, très vite dans une prochaine vidéo. Sortez couverts, surtout, et bonne année encore, bonne année 2024. Bisous.